le gym a grandi, puisque j'ai toujours suivi. J'allais voir à Charles Herman s'entraîner Daniel Sanchez, Jukovic, puis je montais au Ré, hein. Je manquais pas les matchs. Mais quand ils ont été champions, hein, on les suivait, ils étaient sur les chars, on descendait l'avenue Jean-Médecin, tout ça, et j'allais les voir de partout, à la gare, quand ils arrivaient, pour les applaudir, j'étais toujours... voilà. Toujours là. Toujours là. Infidèle. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez bientôt 100 ans ? 100 ans. Joyeux anniversaire. 22 jours, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon anniversaire, monsieur. Bon anniversaire. Quel âge, on m'a dit, très jeune ? 100 ans. 100 ans, c'est magnifique. Vous en avez connu des épisodes au GC Nice ? Eh ouais. Des sujets de ma longévité, c'est un peu la montagne. Hein. Enfin, le foot, j'ai joué aussi. Léon Rossi, j'ai joué avec lui. C'était en quelle année ça ? J'ai joué à Saint-Sauveur avec lui. Merci. Ça va ? Bon anniversaire ? Merci pour les arrêts. Un peu avancé. Vous allez bien ? Ça va, merci. Ça va ? Nous sommes au courant. Oui, merci. Vous savez. Bon anniversaire. Merci. Merci, Léon. Bonjour. Merci pour tout ce que tu fais. Les joueurs préférés ? Oui. J'aime bien Goué. Amine. Ouais. C'est là. C'est lui qui nous marque les buts. Il nous les met sur la barre. Bonjour. Ah putain, j'y croyais à ce but, Goué. J'y croyais, moi. Merci. Celui-là, je suis sûr qu'on te donnerait je ne sais pas combien, tu ne le vendrais pas. Hein? Ah ouais. Non, tu y tiens. Hein? Ça, c'est un beau cadeau. Hein? Et Issa, Issa, allez Issa. Je veux leur chanter la même à Issa la belle. Ah, ils vont leur chanter Issa la belle. L'été ouvert, campagne, l'autre grand soleil d'or. Tout joyeux quand t'es rai, viva, viva, Nice la belle. Y'a joué Andy ! Lâchez-moi maintenant, c'est bien les gars là. Prêt ? Voilà ! Voilà, ça c'est un vrai son de ça par contre. Ça c'est un vrai son. Et Amine Gouiri à la conclusion. Il sent bien les coups Amine. Thank you.
il fait chaud. Ouais, c'est 40, 41 degrés. Ça, c'est dans la possibilité de chauffer mieux même. Grâce à la température, tu vois. Gardez ça, gardez ça. Oui, c'est parfait, ça, la prise de balle, voilà. Le troisième, pourquoi pas, voilà. Aïe, aïe. Oui, c'est quoi le circuit, Christophe? 4 à 5 minutes, ça va comme ça, tranquille. Bien le haut du corps, c'est bien ça. Bien le haut du corps engagé. Bonheur, de la joie, de ressentir. L'odeur de l'herbe, du terrain, d'être là, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Donc, Et un peu d'appréhension aussi? Pas trop. À partir du moment que le doc m'a rassuré, on est en train de travailler très, très bien avec tout notre staff médical. Je profite pour les remercier d'ailleurs, parce que ce sont des personnes qui ils ont pris aussi cette épreuve à cœur et ils sont en train de beaucoup m'aider là-dessus. Dur pour les gens? Non, pas trop. Ça va? First one, next step. Step by step. Je l'ai vu sur le terrain courir. Yes, of course, my friend. Depuis l'autoroute. Ça fait ça? Qui a dit courir, ça? Ça fait du bien. Putain. Pourtant, quand nous sommes de joueurs de foot, on n'aime pas faire du travail physique, la course pure. Et là, quel bonheur. T'as couru? Oui! T'as couru combien de temps? 4 fois 5 minutes! C'est suffisant! Alors, à 37 ans, vous vous faites les croisés et le club vous prolonge d'une année. C'est quand même une preuve d'amour incroyable, ça! C'est réciproque! Le GC Nice vous aime! Bah, c'est réciproque alors! Écoute, avant ma blessure, Julien Fournier m'a dit: écoute, t'inquiète directeur pas. Directeur sportif. Ouais, directeur sportif. Louis, le président, il a dit: écoute, t'inquiète pas, même si demain t'es blessé, on va te prolonger, t'inquiète pas. Avant votre blessure, il vous dit ça. Voilà, il m'a dit ça en rigolant. Ouais. Et là, ça m'arrive ça, je lui ai dit, allez, t'as vu. Vous serez reconnaissant longtemps de ce geste du club, j'imagine. À vie. Je voudrais remercier notre club de cœur, l'OGC Nice, qui depuis plusieurs années avance à nos côtés dans le cadre du programme Gym Solidaire. La pandémie, c'est quelque chose qui embête tout le monde. Mais on essaie quand même d'être actif avec vous et puis de pouvoir vous faire plaisir. Quel est votre geste technique préféré? Feinte de frappe. Moi, c'est la semelle. Ouais, team semelle. C'est pas un geste technique, ça. Ouais, mais c'est un geste que je fais tout le temps. Oui, mais on le fait tous. Ok, alors, un geste technique, je dirais un pincement de jambe. Pensez-vous déjà à votre reconversion après le foot? T'as quel âge? Et 20 ans.
J'ai 22. Le fait que les deux joueurs s'apprêtent au jeu et partagent ce moment avec nous, c'était plutôt sympa. Tout le monde était à l'aise, on a rigolé, c'était chouette. Merci. Au revoir. Au revoir. Peace. Non mais sérieux, Marie, le masque du Messi Club, il est trop bien. Regarde l'aigle, il est pas trop mignon. Ils ont trop de chance, les petits. Attends, gros, dans l'ascenseur. Aide dans l'ascenseur. On s'est dit... La vie de ma mère. Envoie dans le groupe, WhatsApp. J'espère que tout le monde voit. Avant le match à la causerie, victoire 2-1. Tu vois, on a pris une petite photo dans l'ascenseur. Attends. On s'est dit, bah raison, on fait une petite photo. Petite victoire 2-1. Et... Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Franchement, je vais lui remettre une panenka, mais... Comment? J'ai l'impression qu'il m'attendait, tu vois. Donc j'ai voulu tirer fort au milieu. Après, j'ai eu de la réussite, mais elle est rentrée parce que c'était un penalty avec détermination. Gouiri qui frappe, et c'est quand même touché par Gomis, mais c'est le but. Et Nice ouvre le score. Aujourd'hui, ça a aidé pour l'équipe. J'espère continuer comme ça, j'espère marquer des buts. Avec la victoire au bout, c'est important. C'est important pour moi. Et aujourd'hui, je suis à 10 buts, mais j'espère en mettre encore d'autres. Et avec des victoires au bout aussi. C'est un nouveau poste pour toi? Non, parce que... J'ai joué, c'est vrai, des fois j'étais ailier aussi. J'ai joué un peu partout. Et là, le coach m'a dit qu'il veut me mettre dans un poste fixe avec une concurrence, vraiment me fixer un poste. Ouais, ça va. Après, je stade pas. Mais il y a du mieux, À moi de continuer. À ce poste-là, tu peux tirer 100% de tes qualités. Donc c'est comme ça que je vois les choses, tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, certes, j'ai déjà joué dans tous les postes, mais au centre du terrain, c'est là où je me sens mieux. Et ça, je l'ai toujours dit. Donc, ça se ressent maintenant sur le terrain et à moi de continuer. Gouiri, oh que c'était bien fait à l'arrivée. C'est une passe décisive de Gouiri. Your celebration. I had way too much adrenaline. I didn't know what to do. It was like pray to God or do something crazy. And then at the final, I celebrate like it's Champions League final. But it's okay. It's okay. Ah, elle est bien sa célébration. Il était vraiment très content. Ça c'est casse-toi là. Ça s'est vraiment vu. Ça montre aussi que. Que ce but, on l'attendait vraiment tous, et il a été, je pense, surpris de marquer parce qu'il n'a pas l'habitude de marquer. To be honest, I don't realize it right now, but I think after I will talk to my family about it and they will show me some videos and then it's a good feeling for now, but we have to continue. It's not I don't want to stop now and we don't want to stop now. Il me plaît cette équipe niçoise. Vous savez, c'est la plus jeune équipe d'Europe, finalement, moins de 23 ans de moyenne d'âge aujourd'hui. Puis quand on regarde quand même des joueurs comme Todibo, Saliba, il y a quand même un ou deux ans, on disait c'est l'avenir du foot français. Boudaoui, si on rajoute Attal qui est blessé, vous rajoutez Jeffrey Adélaïde, vous mettez Gouiri qui est quand même l'un des plus performants. Elle a de la gueule cette équipe niçoise, c'était anormal de la voir éventuellement être menacée par le maintien. C'est important, les gars. Pip Boudaoui
qui a fait 66 minutes de jeu exceptionnel. Quelle activité, il s'est projeté. Franchement, c'est un milieu de terrain que j'aime bien, moi, celui-là. Il a cette capacité à jouer à différents postes. Hein. C'est pas la première fois qu'on le voit jouer et changer de poste dans cette équipe niçoise. Ouais, on le voit récupérer très bas le ballon. Là, il fait une course de presque 80 mètres pour servir son partenaire et se repositionner. Oui, c'est un joueur qui a une énergie, une débauche d'énergie assez incroyable et qui parcourt beaucoup de terrain et qui se met toujours dans les bonnes positions pour défendre à côté de Schneiderlin. Techniquement, c'est très fort, c'est très bon. Merci beaucoup pour les supporters et la victoire, elle était pour vous. Auf Naturuntergrund und jetzt ist der Ball auf diesem Untergrund auch zum ersten Mal drin. Und es ist der, der sich das verdient hat. Hicham Mahou mit dem 1-0 für Lausanne Sport. I have a question. How can I get the GIF from the last post of the goal? Can you send it please to me if you have some time?